Ok, donc on se retrouve pour l'épisode suivant. Alors du coup, je me suis juste reposé parce que j'ai une maladie là. Maladie infection. Mais du coup, je peux pas m'en débarrasser comme par hasard. On va utiliser ça déjà. Ok, niveau nourriture, il m'en faudra encore une petite. J'ai rien pour me soigner de la maladie. Donc, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, là, j'ai dormi jusqu'au petit matin. Ça m'a régénéré ma vie. On va pouvoir aller encore continuer à récupérer des sous. Déjà avec l'hallebarde, je pense que y a moyen de gérer les bandits. Déjà toi. Merde, à chaque fois j'appuie sur le mauvais bouton. Ah d'accord, je me fais toucher déjà. Ouais, carrément. Je me fais toucher parce qu'en fait j'appuie sur un shift pour sprinter et tab pour viser. Et du coup, bah en fait, c'est le raccourci pour l'overlay Steam. Et du coup, bah ça ouvre l'overlay. Je me fais avoir à chaque fois. On récupère les gavets. On va, il y a des ennemis. Est-ce que ça repop là, ça? Non, ça part pop là pour l'instant. Ok, bon, on va se les tenter. Non, il y a un arc. Et il a des flèches, du coup, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des flèches. Faudrait que je le rush. Oh, il m'a touché, sérieusement. Il reprend l'arc. Fils de chien. Fils de sa mère. Ok, lui, il m'a suivi plus vite que l'autre. Ok, donc déjà lui, c'est bon. On va récupérer ça. Ce qu'il a sur lui. Et on se barre. Voilà. Technique. C'est une technique comme une autre, hein. Ne jugez pas. Voilà. Par contre, j'ai l'infection qui est en train de me bouffer. Faut que je la guérisse. Ça, c'est les hyènes qui m'ont touché, ça. Ah, ça va être compliqué hein, cette série. Hein. Moi, vous avez la progression d'un joueur lambda, pas expert en baston. On va garder ça. Ça fait déjà 10. Antidote. Les poisons. Ouais, bah, il me faut un médicament. Bonjour. Est-ce que tu as un... Ça coûte 15 à chaque fois. Potion de chaleur, brume, rhume, astral, potion de vie, instantanément les blessures, la fatigue. Y a rien pour les infections? Faut que je dorme. Alors on va mettre Nox. On va se poser là, tant pis, on retourne pas à la maison. Sac de couchage. On dort pour récupérer un peu de vie. Alors c'est chelou parce que l'infection nous en fait perdre, mais dormir nous en fait gagner. Voilà, ça me laisse du sursis. Il n'y a rien qui guérit une infection. Bonjour. J'aimerais parler. Voilà le plan. Hey, écoutez,
Ok, non, mais ça, je savais. Bon. Ça. Tac, augmente les résistances. Ça soigne max d'endurance. Furtivité. Potion bénie, potion de chaleur, potion de froid, potion de possession. Mélange qui améliore temporairement vos dégâts physiques. Rhume et mana, temporairement vos dégâts spectraux. Impact de nos armes, restaure du mana. Soigne instantanément les blessures. Revigore les corps fatigués. Poison. C'est peut-être ça. On va se prendre un débandage et on va se prendre un antidote. Hein, on va tester. Hein. Parce qu'il n'y a rien en fait qui peut me soigner. Ok, super. J'ai une infection, je peux pas m'en débarrasser. Mais je fais comment pour la retirer? Elle se retire pas dans le temps? Que faut que je me bande? Il faut que je me mette un bandage? T'es la Bonjour. chimiste? Mince. Y'a qui peut me donner Avez-vous un remède? besoin de quelque chose? Toi, t'as quoi? Digestion, froid, soigne le max d'endurance. Ouais, bah ils sont bien gentils, mais en gros, y'a personne qui peut me soigner. Y a pas un médecin ou un truc comme ça? Toi, tu veux pas parler? Non, c'est pour m'entraîner. Toi, t'es un garde. Puis-je vous venir en aide? Juste dormir. Ok, bon, en fait, bah non, je peux rien. Puis-je vous venir en aide? J'ai rien pour. Ouais, bah non, là c'est la nourriture et tout, c'est tout. Chaudron, etc. Ok, bah super. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais vous savez comment on soigne une infection. Ah, vous êtes médecin. Si j'attrape une maladie. Des ingrédients et un chaudron si vous voulez compter. Ouais. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Il faut juste que j'attende. Juste que mon corps combatte l'infection. Super. Le barrer cette aventure, ça commençait si bien. Ça commençait si bien, j'étais tellement sûr de moi. Quand tout se passa mal à cause de bandits. Rip. Rip, rip. Alors, est-ce qu'il y a du minerai par là? Il devrait y en avoir en hauteur, etc. Oui, il va y avoir aussi des hyènes. Ces mêmes hyènes qui m'ont filé une infection. Par là, il n'y en a pas. Ah si, voilà, là, il y en a. Bon, on va récupérer la stamina. Voilà. Ok. On peut tout prendre. Par contre, on en gaspille très vite hein, de l'endurance, il faut faire gaffe.
Alors je dis il faut faire gaffe et je bourrine comme un dingue. Ok, là il y a un poulet. Ah, il y a des gabets. Non, mais me touche pas, bordel. Voilà. Bon, ça on peut les farmer. Ça on peut les farmer. Il me faudrait du métal. Je vois pas de gisement. Si, là il y en a. Non? Ah non, c'est un nid. Ok, bon. Ah, des œufs, on va les prendre. Et de l'huile épaisse. On récolte tout. On va se faire un petit feu après, je pense. On va se récolter du bois, même si je crois que j'en ai déjà. Là, il y a des hyènes et une grotte. Ouais, il y a un paquet de hyènes quand même là. Je pense pas que je puisse m'en faire 3. Ça me paraît un petit peu au-dessus de mes moyens. Oh, je l'avais pas vu. Je me disais bien que la musique allait changer. Mince. Ah non, mais ils viennent tous. Je crois que les autres m'ont lâché. Yes. Ok, on va se nourrir. On va fabriquer notre petit feu de camp. Ok, donc j'en ai réduit de 1 leur population. On va poser le feu de camp. Voilà, on va l'allumer. On va faire cuire. Non. Faire la viande. Et je pense qu'on est pas mal. On va également manger. Ouais, je suis à combien? Je suis à 100%. On va boire. J'ai presque plus d'eau. On va éteindre le feu. Ok. Après, je sais pas si ça peut attirer des bandits, etc., d'avoir un feu. Non, il en reste encore 3. Hein. Donc on va pas laisser les tenter. Là, je fais le tour et tout ça parce que je veux voir s'il n'y a pas un coffre qui est caché. Toi. Ah ouais, j'ai encore appuyé sur le truc qu'il fallait pas. Ok, je me fais avoir à chaque fois, je sais pas comment contrecarrer le premier coup qu'il me donne à chaque fois. Faudrait que je teste la parade. Ou alors faut que je fasse une roulade, je sais pas. La perte de la vie tout ça en même temps, c'est assez gênant. Là-bas il y a encore des bandits. On va aller tuer l'autre poulet. Vas-y, viens, mon gros. Ouais, mais bon, si tu t'approches pas. Oh, j'utilise ma stamina pour rien. Quoi? Je l'ai pas touché. Sérieusement? Je peux pas redescendre? Et le poulet là.
J'ai plus de flux. Il va s'enfuir. Le poulet. Quoi? N'importe quoi. Je peux pas monter moi. Vas-y, fuis par là. Vas-y, fuis par là, fuis par là, fuis par là. Quoi? Je peux pas le toucher, sérieusement. Sérieusement, le poulet là. Oh, c'est mal fait ça. Le poulet il grimpe à la verticale. C'est un super poulet. Vas-y, fuis par là, fuis par là. T'avais l'air de redescendre à certains endroits. Là. Merde, il court plus vite que moi. Sérieusement, là, le poulet. Ah bah voilà, enfin. Un peu mal foutu ça. Un peu mal foutu, en plus y a plus de musique, y a plus rien. Là-bas y a encore des bandits. Ah là il reste un bandit. Vas-y, t'auras pas le temps, donne-moi tes flèches. Bon, il m'a touché une fois quand même. Voilà. Voilà, ça je. Là je dis oui. On a touché quand même une fois hein, ce saloperie. Enfin cette saloperie. Après du coup la merde elle est bien, mais il faut quand même balayer. Voilà. Hop. On a l'arc. Ah ça, ça fait 6 en résistance. 8 en résistance quand même. Donc c'est quand même mieux. On va manger ça. Voilà. Il me faut également que je range. Je pourrais mettre ça là. Voilà. Je suis plus trop surchargé. Je vais vendre un arc. J'ai un petit peu plus de flèches. C'est déjà pas mal. On se refait petit à petit. Après j'aurais très bien pu le faire en hélice, mais je me dis c'est toujours plus sympa de le faire ensemble. Ok. Donc toi, je te vends ça, je te vends un arc, une épée. Ça aussi, je te vends également ça et la viande, bah, je vais tout te vendre. Voilà. Je vais te vendre également la moitié de ça. Confirmé, ça me fait déjà 47. 47 c'est pas mal. Là on va aller... on va aller prendre de l'eau. On boit et... Enfin on récupère et on boit. Voilà. Pas vous chasser, non, bon, tant pis. Ça, c'est de l'eau salée, mais j'avais pas un truc. Ah non, c'est l'eau qui trigger en fait. Ok. Tiens, c'est pas un petit bric-à-brac là. Ça. C'est un tas de déchets. Voilà. On prend tout ça. Si vous en voulez pas, moi je prends. Toi, t'as rien. Faudrait que je récupère le kit d'alchimie. Enfin, quoique, bah non. Salutations, camarade. Oui, ça se vend assez cher, hein, la vache. Toi, t'as pas me parler. Enfin, est-ce qu'il avait autre chose à me dire? Salutations, camarade. Non, merci. Okay. Adieu, camarade. Camarade, camarade. Il y a un bateau là. Ok, je vais pas pouvoir interagir avec.
un truc là-bas. Parler à lui. C'est horrible. Ah bah voilà Roland, celui qui a... mettez-vous au travail et payez-le pour le sac. Accomplissez votre devoir. Oui. Oh non, oh non, oh non. Ah, je suis mauvais à tout, bah, il m'a même gardé un phare, quoi. Ouais. Mmh. C'est pour ça que j'aimerais demander à Eto de m'enseigner quelques-unes de ses méthodes de combat. Et, écoutez. Ok, postons de vie, tout ça. Ok. Ça me va. Il y a un truc là, c'est un bouclier, c'est ça? Un bouclier en bois. En fait, on pouvait faire le tour et on avait pas mal de sets différents d'équipements. Sympa. Sympa, sympa. Oda, Oda, et tout. Salutations, Amba. Un moyen d'éviter et subir des dégâts. Une esquive rapide vous sauvera la mise si un ennemi vous attaque. Bloquez pour empêcher les coups de vous blesser, mais sachez que chaque coup ainsi bloqué consomme de l'endurance. D'accord. Si vous devez vous repositionner ou fuir, partez à la course. Ok. Donc lui peut m'enseigner des trucs. Coup de gong. Arme imprégnée, bouclier. Charge bouclier, équilibre. C'est ces petits que je peux apprendre, ouais. Monte votre maximum. Votre vie maximum de 25 ainsi que la vie restaurée par sommeil de 20%. Ah oui. Intéressant ce truc là. Il faut alors que je récupère tous ces petits trucs. Ok, bah je crois qu'il n'y a plus personne qui a des quêtes pour moi. À part, j'ai pas été lui demander à lui. Avez-vous besoin de quelque chose? Pouvez-vous m'aider? Ouais. À Berg. Excellent. Allez. Parler de la fabrication. Ouais, non. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je lâche mon sac à dos comme ça, ouais. N'importe quoi. Avez-vous besoin de quelque acheter quelque chose, chose t'as quoi? Tiens, on va vendre ça. Ça soigne instantanément les blessures. Je vais essayer. Allez, fils. Attends, c'est marqué quoi? Poison, maladie. Ah, bah voilà. Ah non, n'affecte pas. Ok. N'affecte pas, dommage. Lui vendre le bouclier. Hop. Par contre, est-ce qu'une infection ça compte? Pas du tout, je l'ai utilisé pour rien. Soigne les blessures. Pouf, il n'y a rien qui marche en fait. Bon, c'est pas un bon test, hein, mais bon, du coup, c'est gâché. Mais tant pis. Mais tant pis, tant pis, tant pis. Est-ce qu'il y a d'autres choses cachées là-bas? Il y a peut-être des choses cachées derrière. On voit. Non, je peux pas passer, c'est un mur invisible. Là, je peux pas y monter, il y a un mur invisible. Dommage. Je peux pas y passer non plus parce que là, il y a des murs visibles. Là il y avait la hache mais je l'ai pu. Qu'y a-t-il d'autre par là? Avec une tête de gros poisson.
Il y a une porte. Je peux pas l'ouvrir. Une lance ici, enfin un harpon de psychoquack. Ouvrir coffre. Vas-y, tout prendre. M'en fous. Il y a un prix du sang. Je vole. J'ai pas l'impression qu'il y a un système de haut voleur. Je pense que du coup je pouvais me servir comme je voulais. Bah c'est bon. On va aller vendre ses bottes. Un bouclier en bois, j'ai pas l'impression que je peux le vendre. Toi t'as une quête ou quoi? Non, tu veux pas parler toi. Toi non plus. Là, les pécores là, ils pourraient me parler quand même. Bien, toi le forgeron. Que puis-je faire pour vous? Très bien. Voilà. 15, ça vaut 15 ça. Je peux pas vendre le bouclier, mais ça vaut 15. C'est assez badass. On va vendre tous les œufs. Voilà, ça fait 7. Du coup, ça c'est une dague, je m'en fous. Ah, 30 flèches pour 60, ça coûte cher. Barbie, bardiche, bardiche. Ah, je peux m'en acheter un petit peu. On va en acheter 3. Ça me fera 12 flèches. Voilà, bon, je reçois quand même un petit peu de sous. Ce qui me permettrait d'en acheter. Piège à fil. La suie dentelée, hallebarde. Hallebarde dentelée, c'est celle que j'ai, hein. Je dis pas de bêtises, je peux pas la racheter. Ok. Hallebarde tranchante 250. Ouais bon, ça fait beaucoup trop. C'est beaucoup trop cher pour moi là. Des flèches. Voilà, je peux plus en crafter. Pic en bois. Testons. Pique en place dans un piège, fil à détente. Ah ok, d'accord, faut que j'aille des fils à détente. Ok, super. Bon. Bon, on va dormir et puis on va se remettre en chasse à l'épisode prochain. Hein. En espérant que mon infection parte. Va bien finir par partir cette infection. Non? Si, quand même. Allez, allons dormir. Je vais mettre le bouclier en bois dans mon coffre. Tac. La lanterne aussi. Les piques en bois, j'en ai pas besoin tout de suite. On va les garder quand même au cas où. Une torche également. Pas besoin de s'en en avoir trop. Tac tac. On peut stocker ça. On peut stocker à moitié. Enfin une trentaine. Comme ça au moins, je recommencerai pas de rien. Hein, c'est important ça. Hein. Ok. Bon. On va passer la nuit avec un petit peu de réparation. Voilà. Hop, dormons. On peut désassembler des armes. Ok. On peut désassembler des armes. C'est bon à savoir. Donc on va manger un steak. On va boire un peu d'eau. L'infection j'ai toujours. J'ai pas du tout. Mais c'est une maladie en fait, oui. Soigne des maladies. Pourtant ce que j'avais vu. Ouais, faut juste attendre. Faut juste attendre. J'ai 9 flèches. Je pense que je peux faire quelque chose de ça. Bon, on réessayera. Voilà, l'épisode prochain, on essaiera d'aller à la tour. Hein, on verra bien. En tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher petit pouce bleu. Et voilà. Allez, bye bye tout le monde.